Eh bien bienvenue à nos chers auditeurs que nous apprécions beaucoup euh, d'Espoir Média et bienvenue bien évidemment à cette émission 3DS et aujourd'hui c'est déjà euh, l'étude pour le sabbat 29 juillet l'étude numéro 5 euh, expiation horizontale la croix et l'église donc on avance petit à petit et comme je l'ai déjà dit l'avantage c'est qu'il y a que six chapitres dans ce livre des Éphésiens ça nous permet d'approfondir encore davantage ces différents versets et puis, euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Léo Lopez, qui est aussi responsable de Sports médias mais qui va participer à l'émission 3DS et Loïc Prajet aussi. Et merci d'être avec nous, Loïc, aussi, de, ta, de ton investissement. Eh bien, j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous souhaiter la bienvenue, abonnez-vous et puis continuez à nous suivre. Et dans quelques instants, ben, l'émission va commencer Est-ce que Loïc, je peux te demander de commencer cette émission par une prière Bien sûr. Merci. Très bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions une nouvelle fois pour le souffle de vie que tu nous accordes et te remercions pour l'Esprit Saint que nous réclamons afin qu'il nous dirige, qu'il puisse diriger nos paroles, nos réflexions, afin que ces dernières puissent toucher le cœur des auditeurs. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors quand même un petit mot de présentation, Léo, tu euh, nous dis un mot Léo, ça fait plus ou moins dix ans que je travaille en Suisse, dans cette fédération que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai m'épanoui aussi dans le ministère pastoral et Espoir Média, marié avec 12 enfants. C'est une bénédiction bien. de pouvoir travailler avec et pour le Seigneur. Amen. Loïc Alors effectivement, Loïc, euh, originaire de la Martinique, donc je suis marié, j'ai deux enfants. Et je suis sous collange depuis deux ans maintenant déjà. D'accord. Quasiment. Donc euh, je m'y plais et je suis très content d'être là aujourd'hui. Super, magnifique. Ouais. Alors, euh, Léo et Loïc. Ah oui, je vois, ça commence par elle, les deux. Hein. Oui. Léo et Loïc. Très bien. Euh, Léo, est-ce que tu as déjà fait l'expérience de faire la connaissance de personnes à l'étranger de rencontrer des personnes appartenant à d'autres cultures, d'avoir l'impression qu'elles sont des âmes sœurs, euh, et que, pour finir, tu as ressenti une proximité avec ces personnes. Oui. <laughs> ça ne s'entend pas, mais j'ai un accent. <laughs> oui, je sais, je sais bien. Mais je n'ai pas envie d'évacuer la question parce que j'aurais été traité de raciste après. Alors... Bah oui, ouais, ouais, c'est vrai. vrai. <laughs> Écoute, oui, bien sûr, bien sûr. La Suisse, c'est un pays qui m'a accueilli, qui qu m'a ouvert les, les bras. Moi, en tant qu'Argentin, avec mon accent, ils il en étaient toujours gentils. Et donc euh, après, c'est impressionnant. Il y a des personnes avec lesquelles tu matches. Il y a ouais. ces feeling tout de suite hein, oui. ouais, que, que tu ne peux pas expliquer pourquoi, mais ouais. ça match quoi. Et Il y a d'autres, peu importe la langue, peu importe. Ouais. Euh, et, et ça, c'est une source de bénédiction quand il y a cette, cette côté là. Bah c'est beau cette proximité, hein oui. qu'on soit argentin, suisse, euh, de Martinique et autres. Toi, Loïc aussi Oui, c'est vrai. Euh, comme dit Léo, il euh, y a cette euh, interconnexion qui, mmh. qui peut paraître parfois étrange, on ne peut pas forcément euh, expliquer, mais qui se ressent. C'est vraiment au niveau mmh. des émotions, au niveau du ressenti, et on, et on, on se sent transporté par euh, des rencontres qui, après, donnent des choses merveilleuses, effectivement. Et là, par exemple, autour de cette table, c'est super aujourd'hui. Ah oui, <laughs> oui, ça oui. Fait... Une bonne complémentarité. Hein voilà. ah oui. C'est magnifique. Alors, j'aimerais, chers auditeurs, que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ce pas une surprise, au chapitre 2, versets 11 à 22. Aujourd'hui, on va essayer de, de terminer ce chapitre 2, on l'aborde depuis quelques semaines maintenant. Euh, j'aimerais lire ces quelques versets et ensuite, on abordera euh, la réflexion avec des questions. Alors. Éphésiens 2, verset 11 à 22, c'est pourquoi, vous autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, pour ceux qu'on appelle euh, circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix, de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, vous n'êtes donc plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Plusieurs versets qui nous montrent qu'il y a le contexte toujours de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Avec des juifs, avec des non-juifs. On rappelle, on l'a déjà dit quelques fois, donc je ne veux pas trop allonger, qu'il y avait des juifs, des non-juifs, il y avait des, euh, des, des païens, etc. Donc il y, a, il y a tout un brassage de population dans une euh, ville à Éphèse qui était très très nombreuse en termes de population, 250 000 euh, personnes à peu près. Donc des juifs et des non-juifs réconciliés par Jésus-Christ, incirconcis contre circoncis, mais quand même en Christ. Et il est parlé d'être. Euh, proche grâce au sacrifice de Jésus, l'unité entre les juifs et les non-juifs, plus d'ennemis grâce à la mort de Jésus, la réconciliation, vous n'êtes plus des étrangers euh, au niveau de la famille de Dieu. Alors Léo, là il y a quand même chez l'apôtre Paul un message d'une ouverture, mais monstrueuse. quoi. Tout à fait. <coughs> Surtout que là il laisse vraiment toutes les différences de côté pour dire et rappeler. Qu'est-ce qui nous unit tous Regarde que le texte, il commence avec un souvenez-vous. Donc, rappelle-toi rappelle qui tu étais et, et c'est ça que c'est beau. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de quelque chose euh, concernant le. Euh, bah, voilà, d'où on vient, si on est étrangère, qu'on arrive. Mais si tu réfléchis bien, vraiment, au-delà des, des, des beaux messages qu'on pourrait donner parfois à l'Église ou qu'on pourrait dire mais sincèrement, les amis, est-ce qu'on n'est pas citoyen de monde et qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi, à part l'accent, à part qu'on a un passeport différent Mais le passeport, il est... on n'est pas venu avec un passeport, tu vois mm. Ça dépend où tu es. Et j'ai dit souvent qu'est-ce qu'il a la faute, un Syrien, d'avoir né en Syrie et qu'il doit être euh, amené ici, traverser euh, la mer, et prendre des risques énormes pour être ici Quelle est la seule différence entre lui et moi Est-ce que je peux dire ah non, mais toi, toi tu es un Syrien Attends, quand même, lui, il est un citoyen de monde. Et, et Paul, pour moi, dans ce qu'il est en train d'expliquer, il a compris ça. Arrêtons toutes ces différences-là. Arrêtons la bêtise et, et l'égoïsme humain pour pouvoir se concentrer à qui il nous unit. Et c'est Christ. Par contre, Loïc, c'est intéressant aussi de ce que tu nous dis, Léo, mais Paul voulait vraiment que la personne, non seulement elle ait un changement, une transformation, mais qu'elle elle, n'oublie pas son passé qu'elle devait vraiment se souvenir d'où elle venait oui. pour savoir où elle va. Donc il y, y a ces deux éléments. Hein. Ne pas oublier notre passé fait. pour pouvoir avancer dans le futur. Tout à mmh. fait. D'ailleurs, Léo l'a souligné, hein, ouais. la notion du souvenir est mmh. notamment importante. Parce que si je ne sais pas euh, d'où je viens, je ne sais pas où je vais non plus. Donc euh, cette euh, inclusion, parce qu'on voit vraiment un message qui inclut, qui, qui euh, euh, dispense de toute conception élitiste que par exemple le peuple juif pouvait avoir à un certain moment où c'est par la loi que nous sommes sauvés, nous avons euh, euh, toutes les prescriptions, nous sommes le peuple élu. Donc il y a vraiment cette nuance que je trouve dans, dans ce passage, pour reprendre ce que tu dis, et cette ouverture qui permet de considérer mon vis-à-vis -vis comme étant mon égal. Mmh. Donc la restauration de la dignité humaine. En sorte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y, y a tant de problèmes identitaires entre euh, des fois des, des, des familles de certains pays ou, ou des, des situations où, on a de la peine à, à recevoir ou à accepter des personnes qui viennent d'autres cultures ou d'autres régions pourquoi il pourquoi y a ça C'est un problème d'intelligence peut-être Ou d'autres choses Moi je pense que c'est une question de, parfois d'être trop nationaliste hein ouais, est ça. Et, et de rester enfermé et, et finalement quand tu as la peur d'aller vers l'autre, celui qui est différent. C'est parce que quelque part, peut-être, tu n'es pas convaincu de quelle est ton identité. Parce que si moi, je, je sais pourquoi, Exactement. par exemple, je suis adventiste des de, de, de septième jours, je n'ai aucun peur d'aller rencontrer un mormon, un témoin de Jéhovah, un protestant, un évangélique ou un catholique, parce que je sais qui je suis. Et donc finalement, là dans le texte, Paul il dit très bien, et nous on était rapprochés par le sang de Jésus Christ. Voilà. Et donc, au lieu de voir tous les différences, c'est -ce que ne devrait pas commencer plutôt par le contraire, de voir ce qui nous unit, et c'est le Christ. Exactement. Le Christ nous unit. Tout à fait, puisque pour continuer dans, dans cette dynamique, on se rend compte que le, le passage précédent, on a vu la semaine dernière, on parle d'une recréation intérieure mmh. qui dispose notre regard sur les autres. Parce que l'antithèse, c'est les enfants de la colère. Donc on voit cette sensation de supériorité ou ce complexe d'infériorité, donc tout ce désordre qui euh, finalement nuit à la création. Donc ce message est clair et inclusif, mais l'emphase sur l'importance de considérer l'être humain dans sa plénitude. D'ailleurs, euh, c'est un commentaire sur, sur ces quelques versets qu'on vient de lire. Il y a vraiment mmh. un, une réalité sur, de ces versets où Paul s'adresse aux chrétiens aussi d'origine païenne. Euh, il s'est adressé beaucoup aux juifs, mais là, il s'adresse aussi euh, aux chrétiens d'origine païenne. Est-ce que Léo, euh, Loïc, est-ce que le problème majeur, c'était là, la, la circoncision, par exemple C'est si on, on, un sujet récurrent. Pour Paul, ça va être récurrent. Ouais. Surtout dans, dans l'épître Galate, là, là, ça va être quelque chose qui va revenir et qui va être très ah, sévère ouais. en lui disant, mais Galate est stupide. Si vous, vous voulez garder, <laughs> stupide, il le dit. <laughs> hein, sans intelligence, et il le dit. Si vous voulez garder une loi, alors gardez toute la loi, pas simplement ça. Et donc cette notion là de, de dire Christ, il a laissé de côté la circoncision, il a la circoncision. C'est un message très fort à l'époque. Okay. C'est un message que pour eux, c'était. Mais, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes C'est le symbole de notre alliance avec voilà. Dieu. Et donc les Juifs, ils voulaient l'imposer à tout prix, et, et les non-Juifs, ils ne voulaient pas se laisser imposer ça. Ouais. Et, et là, Paul, il tranche et il dit, c'est fini. Il n'y a plus de circoncis et un circoncis parce que nous sommes en Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Ça. Et là, c'est ouais. le message pour moi. Désolé, mais c'est pour là il avait un caractère. Oh, oui, oui. On comprend pourquoi le Seigneur, il a appelé lui, <laughs> pour, <C 'est> bon. <laughs> pour prêcher <laughs> ces messages-là. Ouais, c'est très audacieux, comme tu dis, bah, parce oui. que tu mets l'emphase sur... Euh, euh, L'audace de pouvoir, euh, comme cela, définir que la circoncision s'est terminée. Alors que quand on comprend l'importance de, ouais. de ce symbole, parce qu'on voit que c'est le symbole fort de l'alliance, d'identitaire, effectivement. Donc euh, venir du jour au lendemain et dire cela, ça rappelle aussi euh, les paroles du Christ qui sont aussi tranchantes. Il dit euh, :« Vous avez entendu cela, mais moi, je vous dis. » Donc on voit une rupture avec une certaine logique qui euh, génère l'isolement l'illusion d'être euh, euh, supérieur à l'autre donc il y a vraiment cette, euh, cette dimension euh, horizontale et, et d'ailleurs c'est pas débuté. un hasard c'est les versets qui précèdent parlent de la grâce de Christ oui, oui. Euh, c'est il oui. savait que Paul devait mettre l'emphase sur cette grâce et c'est ce qui est quand même étonnant et redoutable de la part de l'apôtre c'est que avant sa conversion il était plutôt dans dans la loi il était plutôt dans cette euh, cette idée où c'était la loi qui doit être développée les œuvres euh, et là, sur le chemin de Damas, il a quand même avec une sacrée conversion. Et, et si tu peux me permettre, quelque chose qui me vient à l'esprit, Christ, il a dit qu'il est venu, premièrement, pour les vie de d'Israël, n'est-ce pas oui. Il le dit. Et, et c'est intéressant qu'il ne va pas appeler ses premières disciples, donc les les 11 ou les 12, tu vois, à aller faire ce travail-là. Parce que quelque part, tu vois, et dans le livre des actes des apôtres, il doit les donner une vision à Pierre pour qu'il change sa façon de penser. Et même comme ça, <laughs> et on le voit que ça la travaille ça beaucoup difficile. à Pierre. Oui. Donc il n'est pas capable de se défaire de tout ça. Alors que Paul, il a cette facilité de dire, je vais me faire tout à tous. Il va le dire, hein et à un moment donné, il y a même Paul qui va reprocher à Pierre en hein, lui disant, tout à fait, les dans les ou... aux Galates, hein. au début, la la Des écoute, il euh, faut savoir, ça tue d'une manière ou d'une autre, mais arrête de jouer un oui. double jeu. Quoi. Tout à fait, parce Alors... qu'il avait cette, cette compréhension de ce que Christ il avait fait pour nous et dire, ça y est, les, les, les barrières, ils sont tombées. Bon, on va parler de ça dans quelques mais minutes. Est-ce mais... que si Paul a autant de force, autant... Je ne dis pas qu'il est téméraire, mais en tout cas, il est, il est, parce qu'il était intelligent et tout. Est-ce que c'est le fait qu'il a vécu une expérience forte aussi à Damas, qu'il est capable de dire autant de choses Oui, c'est-à-dire que pour revenir à cette expérience telle qu'elle est relatée, en tout cas dans le livre des actes, on voit que qu'il va passer par une période de ténèbres qui peut s'avérer être aussi symbolique, c'est-à-dire qu'il était déjà dans une perspective qui était à l'opposé de la volonté de Dieu. Donc cette euh, traversée des ténèbres à la lumière lui permet d'avoir une nouvelle vision du monde. Donc cette assurance qu'il habite émane en effet de l'expérience mmh. qu'il a vécue. Et, et pardon, mais là je, je peux pas m'empêcher d'actualiser de, 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 ce que tu es en train de dire. Combien de fois il nous arrive dans notre vie qu'on est convaincu que ce que nous on prêche, ce que nous on dit, c'est la vérité voilà. Pas notre vérité, c'est la vérité. On, tu vois, et on veut que tout le monde, il vient correspondre à ce que nous on dit. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec la droite extrême, la gauche extrême, qu'ils ne vont pas s'entendre l'un à l'autre. Quelqu'un qui est pour la peine de mort et quelqu'un qui est contre. Et finalement, tu te dis, mais est-ce que tu es capable Et parfois, il me semble que nous-mêmes, on est dans les ténèbres, on est aveuglé tu vois et ces idées spirituelles c'est quelque chose qui nous arrive et, et Paul c'est ce qui va le permettre d'après voir clairement tu vois merci Ça. tu me donnes, tu me tends la perche <laughs> le haut je te tu verras pourquoi tout à l'heure euh, j'allais dire n'est-ce pas merveilleux que Jésus détruise le mur à travers l'apôtre Paul notamment bien sûr de séparation et de haine entre nous et entre les peuples oui puisque dans la continuité de la perspective existentielle que tu viens de développer, que je trouve très pertinente, on voit que lorsque Paul va subir cette cécité, on va voir que Dieu va faire appel à Anania. Et on se rend compte que Anania lui-même est réfractaire à l'idée d'aller sauver. Donc on voit qu'il y a d'une pierre deux bon, coups. On comprend, hein. Tout à fait. Et Tout oui, à fait. Parce que continuer oui. à vivre quelques à heures ou pas, <laughs> c'est ça. puisqu'il est, <laughs> est, est défini, dans, il est incarné euh, en tant que persécuteur et convaincu. Comme tu dis, on peut être sincère, convaincu, mais sincèrement dans l'erreur. Donc cette ouverture d'esprit qu'il n'avait pas, eh bien Ananias non plus, parce qu'Ananias pensait que Paul était terminé. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas d'avenir pour lui. Et pourtant Dieu donne autant une leçon à Ananias. Donc, cette expérience-là, pour moi, est multidimensionnelle mm -hmm. et met l'emphase sur euh, ces murs qui doivent être, euh, euh, Cassé. qu doivent -être cassés pour pouvoir euh, mais, mais regarde, amener la réconciliation. Per, Permets-moi de donner un exemple très mm. concret aujourd'hui dans nos églises. Mm. Si par exemple, il y a un membre euh, qu'il y a depuis 20 ans, 30 ans, qu'il s'est fait baptiser et qu'on l'a montré comment observer les sabbat comment il fallait venir habiller à l'église, comment il devait respecter les choses dans la communauté, le manuel d'église, et qu'il connaît toutes les lois. Généralement, je ne vais pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça, parce que c'est 99,9999%. Euh, <laughs> Quand il y a un nouveau baptisé, qu'est-ce qui va se passer Toi, madame, qu'il y ait un pasteur d'expérience. Le vieux membre d'église, tu sais ce qu'il va faire Il va vouloir un possé, oui, oui. et que le nouveau baptisé, il soit au même niveau que lui après 20 ans. Mais ça, ça, 30 ça, me rappelle, ans. ça me rappelle un peu ce que l'apôtre Paul a dû vivre à Ephèse. Mais c'est ce clairement. C'est ça. C'est ça la réalité. Ça. Parce que finalement, dans l'église aujourd'hui, mais, mais tu vois, c'est ça, c'est pas oublier où j'étais. Et ce que Christ il a fait avec moi. Et donc ma vision vers l'autre, il va changer. Parce que okay. finalement, j'ai dit, mais attends, mais moi, j'étais comme, comme lui. Et quelqu'un qui il est dans un cheminement beaucoup plus loin déjà avec le Seigneur, il va regarder vers l'arrière et peut-être il va dire, bah, un jour, j'étais comme toi aussi. Mais l'idée, c'est continuer à cheminer ensemble. Et c'est ce que Paul, pour moi, il comprend dans cet épître-là et qu'il va partager. Alors justement, vous amenez beaucoup de, de choses importantes pas seulement par rapport à ce que Paul a vécu avec l'église d'Éphèse, mais par rapport à notre contexte aujourd'hui dans les églises. Alors j'aimerais vous poser une question, mm -hmm. vous, vous, vous demander un commentaire peut-être sur ces réflexes de fermeture de personnes de certaines églises qui n'arrêtent pas de critiquer les autres églises. Je m'excuse, j'ai dit que j'étais <laughs> toujours assez libre dans ces émissions 3DS, donc ça, ça me fait plaisir de pouvoir lancer des messages, mais euh, de, de pouvoir regarder sur Internet euh, constamment des, des vidéos qui amènent à pour finir quelque chose de, de très très fermé, de très sectaire. Alors pourquoi il y a ça dans nos églises encore aujourd'hui je me lance le qui a oui, posé la a parole. Aucun problème. Pas de souci. Et oui. écoutez, je ne sais pas oui. si vous l'avez vu, mais si nos auditeurs ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller regarder un, une série, ou en réalité c'est un documentaire qui s'appelle Derrière nos secrets des de fumées, donc c'est sur Netflix, et là il parle de l'algorithme de YouTube oui. et des réseaux sociaux. Et tu me dis, Léo, quel est le rapport avec ça C'est que la plus grande partie des gens qu'il se renferment de plus en plus, c'est parce qu'il consomment des YouTube ou des vidéos non-stop et c'est toujours le même type de vidéos qu'il consomment. Et donc, si tout le temps tu écoutes, et, tu vas te perdre, tu vas aller en enfer, tu as la marque de la bête, ah ouais. tu es méchant, tu entends tout le temps ça, ça finit pour rentrer quelque part. Ah ouais. Parce que tu n'as pas la possibilité de dialoguer. Et c'est ça la beauté de l'Église, de l'Ecclesia, de l'Assemblée. C'est d'être de devant des gens que peut-être ils ne vont pas penser comme moi. Re regardez, quand il a eu le concile à Jérusalem dans le livre des actes des apôtres, ouais. il y a différentes opinions. Il y a des gens qui se confrontent. Ils disent, mais moi je ne suis pas d'accord. Mais moi je pense que... Et donc il y a une décision collective qui doit se prendre. Et le problème de ces personnes-là aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'ils sont une seule vérité et qu'ils pensent qu'ils doivent prêcher cette vérité à tout le monde. Et à partir du moment que tu ne penses pas comme moi, c'est toi l'hérétique, c'est toi que tu devrais être en dehors de Je vais quand même dire, et je ne veux pas oui, oui. donner trop de noms pour pas trop choquer, mais ce genre de, de, de questionnement, ce genre de fermeture a amené à des déviances géopolitiques quand même très conséquentes. Tout à fait, bien tout sûr. À fait. Euh, Loïc. Tout à fait, dans, dans la continuité de ce qui est dit, euh, on se rend compte que cet état d'esprit euh, nous guette. Et c'est très pertinent de, de le mettre en relief, parce que l'unité ne veut pas dire... Euh, la conformité. L'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Mm -hmm. Donc on voit bien que dans la, la nature, la beauté est dans la diversité. Exactement. Et c'est au contraire l'image, la marque de la bête, c'est la réflexion réfractaire à l'ouverture. Puisque le, quand on regarde les agissements de, de, de ce pouvoir, on voit un esprit euh, fermé qui restreint les libertés. Donc vrai. on peut effectivement sombrer dans cet état d'esprit à notre insu tout en pensant condamner les autres en se sentant meilleur. Donc mmh. c'est très important de mettre en face là-dessus. Je viens de penser à un autre exemple. Regarde, un, un sujet très, très conflictuel dans les églises, c'est la musique. Le type de musique qu'on va écouter. Est-ce que cette musique-là, elle est profane Est-ce qu'elle n'est pas profane Est-ce que nous, on est en train de laisser rentrer le monde dans l'église, tu vois, de ces styles de, ce, de, ce style de messages Moi, il y a quelque chose que ça me, ça me, ça me met dans tous mes états. C'est quand l'autre, il va m'imposer son point de vue. Ah oui. Je ne peux comprendre que la musique que j'écoute, que, que j'aime, que ça ne les plaise pas. Et je ne pas entendre même qu'ils me disent, pour moi, ces musiques-là, euh, ils ne me, me rapprochent pas de Dieu. Ça, je ne peux l'entendre. Alors, par contre, qu'ils me disent, toi, tu es satanique, ou toi, ah tu ouais. es diabolique parce que tu écoutes ce type de musique. Je dit, non, là, stop. Parce que. Le Seigneur, il sait comment je l'aime. Le Seigneur, il sait comment je le suis et comment je vais vous faire sa volonté. Mais il ne vient pas m'imposer ton point de vue. Exactement. Et c'est là qu'il commence ses côtés conservateurs, ses côtés mais vraiment, dans une droite extrême ou gauche extrême, dans lequel tout est permis. Alors, chers Parfait. auditeurs, nous apprécions beaucoup Ellen White. Alors, j'aimerais vous partager quelques citations d'Ellen White, si vous permettez. <laughs> Par rapport à notre discussion, je pense que ça rajoute un peu de sel aussi, mais je ne vais pas vous lire toutes les citations que j'ai. Mais. Ellen White nous dit, bah, on pourra dire juste un mot là-dessus, Dieu a des enfants, beaucoup d'entre eux, dans les églises protestantes et un grand nombre dans les églises catholiques, vous avez bien entendu, hein, qui sont plus sincères et font de leur mieux pour obéir à la lumière qu'un grand nombre parmi les adventistes du septième jour qui ne marchent pas dans la lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est Ellen White. Il y a un terrain commun sur lequel nous pouvons rencontrer des gens d'autres dénominations et en nous familiarisant avec eux, nous devrions surtout nous arrêter à des thèmes pour lesquels tous ressentent un intérêt et qui ne mènent pas directement et ostensiblement au sujet de désaccord. Je suis chargé de répondre à notre peuple. Soyez prudents en communiquant notre message. Ne faites pas d'attaque contre les autres églises et en particulier contre l'église catholique romaine. Les anges de Dieu voient dans les différentes dénominations de nombreux croyants qui peuvent être atteints que par la plus grande prudence. Et là encore des tas de citations j'en citerai une dernière. Si nous nous humilions devant Dieu, si nous étions aimables et courtois, affectueux et pleins de compassion, il y aurait cent conversions à la vérité, là où maintenant il y en a une. Tu peux donner la, la référence du passage que, précédent euh, te plaît. Au cas où, si... Le passage précédent, oui. c'était euh, l'activité... Non, attendez, si nous nous humilions devant Dieu, c'est ça Tout non. à fait. Ou il en un a une où, quand il parlait, je crois que c'est celui-là. Euh, histoire de si au cas où euh, il ouais. va le retrouver. Les pas page oui. 576. D'accord, alors c'est... Euh... Attendez, je vous... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Oui, évangélisation, page 576. D'accord, ok. Je suis chargé de répondre à notre peuple, soyez prudents en communiquant oui, notre message. C'est ça. Ça. ça, tout à fait. Merci. Donc voilà, moi, ouais. moi j'ai cité ça parce que ce n'est <coughs> pas pour, euh, pour embêter ceux qui ont envie absolument de garder <coughs> leur identité, puis de se dire que dans les autres églises, il ben, y a des choses qui sont un peu différentes, mais Ellen White de son vivant avait une sacrée ouverture. Hmm. Mais j'insiste, une fois que tu es sûr de qui tu es, T'as pas peur d'aller discuter avec les autres. Oui, c'est ça. ça. Parce là. que l'idée, c'est pas je vais te fouetter jusqu'à que tu comprends quelle est la vérité. C'est je te partage mon vécu pour que tu te rends compte à quel point peut-être ça pourrait être utile pour toi. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu dis parce que, bon, c'est vrai, je vois. J'étais vice-président du Conseil chrétien des Églises du canton de Vaud pendant des années. Maintenant, pour des raisons d'agenda, je le suis plus. Mais euh, j'ai toujours dit, c'est parce qu'on a notre identité qu'on est capable de s'ouvrir. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont de la peine avec leur identité, par peur de se laisser manger, ils vont pas s'ouvrir. Mais mmh. soyons au clair avec notre identité, ouvrons-nous à l'extérieur, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous édifier. Tout à fait, tout à fait, puisque c'est pas anodin que le texte, par exemple, de l'Apocalypse, on a parlé de l'image de la bête, par exemple, euh, le sceau de Dieu est sur le front. Et à ce niveau, c'est là où je prends les décisions. Donc il y a un renouvellement des pensées nécessaires pour pouvoir affirmer mon mmh. identité sans la renier, mais en étant Exactement. aussi dans l'état d'esprit requis pour entendre l'autre. Parce que tu as dit quelque chose de très important, Léo. Je ne peux pas imposer mes convictions à d'autres. Mmh. Je dois comprendre. C'est-à-dire qu'on peut très bien entendre euh, des avis opposés sans renier nos valeurs. Mais ne pas vouloir imposer, parce que la racine d'homme, domination, on entend domination domestiquée, euh, la domination de l'être humain par l'être humain, euh, est clairement exposée lorsqu'on devient intolérant. Donc mmh. c'est très mmh. important de, de mettre l'en face ou cette ouverture nécessaire pour dispenser le message dans le bon état d'esprit. Oui. Et tu vois, oui. et, et sans pour autant faire des mal à l'autre. Tout à fait. Et. Oui. Hum, tu vois, et je me rappelle une fois, j'étais à Genève en train de donner un étude biblique c'était un groupe d'évangéliques. Et on avait étudié beaucoup la vie de Jésus, le Saint-Esprit, plein de choses qui nous reliaient. Et on arrive au commandement. Et tant qu'on parlait des commandements, tout le monde était d'accord. Et là, j'ai senti que c'était eux qui sont devenus agressifs envers moi. Quand je parle de sabbat, donc je le dis parce que comme sabbat d'un côté, ça peut venir aussi de l'autre. <laughs> donc ouais. pourquoi? Parce que quand je leur parle de sabbat, ils me disent mais tu n'as rien compris pasteur là, désolé mais on, on apprécie énormément tous tes enseignements mais là tu as coté la plaque. Paul il a aboli la loi. J'ai dit, donc tu me dis que le sabbat, il ne fait plus partie des dix commandements ni de la loi. Oui, c'est tout aboli. Et donc, moi, tu vois, pour provoquer, je lui ai dit, alors mon frère, ce soir, je peux aller coucher avec ta femme. Et <laughs> ah, ouais. Et il me dit, comment tu peux dire ça, pasteur Mais tu dis que les dix commandements sont abolis ah, ouais, ouais. Ça veut dire que tu ne commettras point d'adultère non mais tu, là tu es en train de sortir le contexte. Et je dis, c'est moi je. Et, et tu vois, là j'ai senti une sorte d'agressivité de l'autre côté. Ouais, ouais. Donc il y a ce côté-là de respect. De dire, on est dans l'échange. Et si nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider vers cette vérité, que c'est Christ. Alors en revenant oui. au texte des Éphésiens, mm -hmm. la première partie décrit notre position en Christ. Chapitre 1 à 3, elle parle de ce que Dieu a fait pour nous en soulignant sa souveraineté au chapitre 1er. Elle met en relief de ce que Dieu a fait pour nous aussi en insistant sur la grâce. Chapitre 2, 1 à 10, c'est notamment ce fameux verset 8 où il est dit que seule la grâce nous sauve. Et dans le chapitre 2, euh, verset 11 au chapitre 3, verset 21, on parle de la réconciliation. Il arrive aussi dans nos églises qu'il est difficile de se réconcilier. Pourquoi Léo Pourquoi <laughs> C'était quoi le truc qu'il a fait tomber à Satan au ciel On l'avait étudié il y a quelques, quelques trimestres auparavant. Hein, C'était quoi Je ne me rappelle pas. C'était le vouloir être comme Dieu, l'orgueil, regarde comment je suis beau. Hein, qu'il a commencé son cœur à. L'orgueil à, à assez. Il dit quoi le texte Et son, son cœur, il s'est énervé, Il s'est gonflé. Hmm. Et, et finalement. Souvent qu'on a des problèmes avec un frère, une soeur, mais même dans des familles. Toi, tu as parlé des églises d'hommes. Oui, oui, oui. Mais combien de familles sont brisées familles aussi, à cause d'un héritage, à cause de, de que... Ouais, mais lui, il a pris ça. À cause des questions d'argent. Des, des bêtises. De prêts d'argent et d'autres choses. Ou, parce que tout simplement, j'aimerais que tu reconnais que j'ai raison et que tu as tort. Ouais. Est-ce ah, que ça, ça c'est pas l'orgueil Est-ce que <laughs> le fait de dire non, 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 mais toi, tu devrais me demander pardon. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Donc euh, Loïc, en fait, dans tout ce que tu nous dis, Léo, dans toutes les épîtres aux Ephésiens, est-ce que, pour simplifier, mais on va pas quitter le plateau maintenant, mais <laughs> euh, pour simplifier, euh, <laughs> c'est quoi C'est le combat entre l'orgueil et l'humilité. Je veux dire, euh, quand on voit tous ces versets, ça ramène à ça. quand oh, bien même. bien sûr, hein, sûr puisqu'on voit euh, une certaine forme euh, euh, de tentation irrésistible à vouloir dominer. Parce que c'est ce qui ressort, cette envie de dominer dans mmh. le débat, cette, cette idée d'avoir raison. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Donc il n'y a pas euh, d'échange. Et la réconciliation implique un pont. Et c'est pour ça qu'on parle de crise comme étant le médiateur. Lorsqu'on parle de médiation, c'est qu'il y a effectivement une, une réconciliation en perspective. J'ai aussi Mais. connu des personnes qui vivent par le conflit. Euh, oui. Quand pendant euh, quelques semaines ou quelques oui. mois il n'y a pas de conflit, tout d'un coup il faut en chercher un parce que <laughs> c'est un, un peu leur marque de fabrique. Donc, euh... Mais ça montre à quel point, c'est l'on Paul, <laughs> hein. c'est pas oui. Léo qui le dit, ouais, ouais. ils sont charnels. Ouais. Galates chapitre, chapitre 6 qu'on on, on aime beaucoup citer, et chapitre 5 qu'on parle des fruits de l'esprit, on parle des fruits de la, de la chair et les fruits de la chair. L'être charnel, il va chercher toujours la séparation, la division, les disputes, les discordes. Et quand tu me dis pourquoi Parce que Paul, il avait compris que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, et que Christ, il fait des médiations, et qu'il ne doit plus avoir tous ces murs, tous ces disputes, toutes ces choses-là qui nous séparent. Il y a une sorte d'harmonisation. Il nous appelle à s'aimer les uns les autres. Bah, Christ, il l'avait fait déjà, mais Paul, il revient sur cette notion-là. Alors, c'est vrai qu'on voit dans ces quelques versets, dans ces quelques chapitres de l'Épître aux, aux Éphésiens, le Christ, il a donné sa vie en détruisant tous les murs de la séparation entre nous. C'est bête, j'ai oublié, j'avais un bout du mur de Berlin chez moi, j'ai oublié de l'amener. Mais vous l'imaginez, j'en ai un chez moi. Euh, Paul fait sûrement allusion aussi en détruisant tous les murs de la séparation à une certaine balustrade ou barrière accompagnée de sa menace de mort qui entourait le parvis d'Israël dans le temple d'Hérode. Et là, si on revient à notre texte d'Éphésiens 2, versets 1 à 22, on a toujours cette idée, en fait, que les Juifs parlaient des non-Juifs avec dérision, oui. en disant les incirconcis et les Juifs avaient le même mépris en parlant des circoncis. Alors, dans chacun des passages d'Éphésiens, de quelle manière Paul va décrire la croix et l'impact de l'œuvre que Christ a pu accomplir, euh, Léo Bah, Paul. Il comprend ce que Christ il avait fait, mmh. qu'il va faire ces ponts-là entre nous et Dieu. Hein? Et, et ces ponts-là, il va le faire entre les différentes cultures, entre les différents sexes, entre les différentes religions, entre les différentes conditions de l'être humain. Mmh. Et c'est là que Paul, il comprend que Christ, il a un rôle de médiateur, de pont, et que la croix, c'est celui qui il doit nous unir. Alors, justement, la croix doit nous unir. Je voulais te poser la question, Loïc. Est-ce que c'est ça le message de la croix dans nos vies Ça doit nous unir. Alors, c'est vrai qu'il y a un message d'unité. Parce qu'en fait, quand on reprend le passage, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mm -hmm. Donc, il y a la notion sotéologique du salut. Hein cette guérison et euh, la croix euh, qui apporte la vie, on a cette dimension euh, verticale et horizontale. Donc, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain qui est qui est face à nous, c'est à dire que la relation horizontale détermine également notre euh, relation verticale. Donc il y a une, une adéquation, une réconciliation à tous les niveaux mmh. nécessaire pour vivre mmh. ce message. Ce n'est pas facile. Ça il faut le dire. C'est vrai. Mais ce message mais, de la croix il est quand même fort. Hein, il est quand il même, est quand même puissant, fort. Ouais. Surtout effectivement que lorsque euh, l'évangéliste euh, Luc euh, décrit euh, le voile qui se ouais. déchire par le milieu, donc ah, on voit oui. c'est Luc qui précise milieu. Euh, on voit que le point culminant. Euh, à travers le sacrifice du Christ, est mise en relief à travers ce voile. Le voile qui aussi peut représenter l'aveuglement, comme mm. tu le disais, euh, qui empêche de, de comprendre ce voile de séparation. C'est symboliquement. Du haut en bas, il y a quand même un symbolique à fait. derrière tout ça. Fait. Tout à ça, un, tout fait, du haut en bas. Donc on voit bien effectivement euh, une notion très symbolique et, et Mais au-delà au, au de ça, désolé d'être celui qui doit lui ramener tout de <laughs> suite le, le texte à l'actualisation. Mais les amis, soyons honnêtes, on a tous des murs. Ah, oui, oui. On, a tous des, des, on a tous construit des murs ouais. intellectuellement, spirituellement, que tu vois, et quelque part, les murs, c'était pourquoi Pour se protéger, pour, pour, pour ne pas laisser envahir l'ennemi dans un lieu qui était un terrain personnel. Et, et ces murs-là, petit à petit, dans notre vie, on commence à les construire. Donc, tu vois, avoir des a priori. Tu vois, par exemple, les gens qui le disent tous les Sud-Américains, ils sont imponctuels et donc là il va créer quoi un mur parce que tout de suite il va mettre l'autre à dire bah tous les Sud Américains ils sont donc il va créer un mur tu vois que je parle d'un truc bête hein alors que moi je suis Argentin je suis Sud Américain et je suis plus que ponctuel et j'ai dit, non, ouais. c'est n'est pas juste. C'est des préjugés, hein, c'est quand même des préjugés, mais, ça a la denture quand même. Mais, hein. mais, mais ces préjugés-là, ils deviennent des murs. Ouais. Et ouais. il faut reconnaître qu'en mmh. tant que chrétien... Et, écoutez, combien de, de gens vous avez entendu dire dans l'église adventiste, et même pendant l'école de Saba Dites-moi si ce n'est pas vrai ce que je vais dire. Dire, par exemple, ah, mais tous les évangéliques, ils, ils, ils croient qu'on fois sauvés, tu es toujours sauvé. Faux, mon ami, tu ne connais rien des évangéliques alors. Ah, ouais. Ils prêchent très fortement... La croyance de l'enfer. Dire que si tu ne te répandis pas chaque jour, et si tu n'es pas à jour avec le Christ, oui. tu peux aller en enfer. Alors, la sanctification. Mais, mais, mais bien sûr. Donc à, arrêtons d'élever de, des euh, murs. Soyons comme Ellen White, essayons, arrêtons de critiquer les autres églises. On perd notre temps, chers auditeurs. Pensons à euh, nous. Chers amis, on perd notre temps à vouloir absolument euh, condamner les autres. On n'a pas de temps à perdre. Exact. Le Christ va bientôt revenir. On doit présenter la vérité avec la lumière et de manière positive. Et, et toujours, pas toujours dans la et, et toujours avec amour. Et toujours avec amour. Voilà, exactement, tout à fait. Alors là, euh, on, on parle de ces choses. C'est passionnant parce que pour finir, on arrive à, à un sujet qui est qui est bien développé par rapport à cette cette idée de d'acceptation de d'acceptation de, des différences, mais avec notre identité, les non juifs qui étaient loin de Dieu et de son peuple sont devenus proches. Ça, c'est intéressant. Mmh. L'hostilité en grec, c'est extraran inimitié, c'est ekthros, ennemi entre croyants juifs et non juifs. Elle-même, tuer la croix supprime cette hostilité, et à la place de l'hostilité vient la réconciliation. Euh, que signifie alors Loïc la réconciliation de nos vies? Alors c'est là où je vois euh, la dimension profonde de, du message du Christ et de la mission qu'il est venu accomplir sur Terre. C'est-à-dire qu'il est venu réconcilier l'humanité avec elle-même. C'est-à-dire l'extirper du cycle infernal de la barbarie. Barbarie dans le sens où il y a cette, euh, ces préjugés, ces murs, ces, 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 pr ces présupposés qui empêchent euh, cette ouverture. Donc on voit vraiment un message de réconciliation dans sa dimension euh, universelle. D'ailleurs, lorsque... Permettez-moi de faire l'analogie avec la purification du sanctuaire. Euh, lorsque Jésus dit euh, détruisez ce temple en trois jours, je le rebâtirai. Dans Jean 2, on voit que la réponse dit de ceux qui sont à côté de comment? la plaque aveuglés, mais ils vont dire mais comment est-ce possible Ça est dit mais on a mis quand même 46 ans pour rebâtir ce temple. Et un petit clin d'œil, je oui. pense, je pense que ça soit pas anodin. L'être humain, qui est aussi considéré comme un temple, bah possède oui. 46 chromosomes. Donc on voit que derrière cette perspective littérale, il y a une dimension spirituelle, spirituelle. que le Christ aborde à pour pouvoir mmh. mettre en relief la valeur de l'être humain. Mmh. Alors, euh, oui. ah, pardon, mais c dans cette idée de réconciliation, mmh. j'aime beaucoup parler qu'il faut se réconcilier avec Dieu, il faut se réconcilier avec soi-même, qui pour moi c'est le plus difficile et c'est ah, le euh, cheminement le plus long. Le plus difficile. Et toi, en tant qu'aumônier d'homme, tu sais à combien... Euh, comme c'est dur parfois pour les personnes sages, parfois se réconcilier avec eux-mêmes, c'est pardonner. C'est terrible. Énorme. Donc ouais. c'est réconcilier avec Dieu, c'est réconcilier avec soi-même et c'est réconcilier avec l'autre. C'est ça le message de, de l'évangile. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton corps, de tout ton âme et de toute ta pensée. Donc quelque part, si moi en tant que chrétien, je passe ma vie à choucher... Les catholiques, les mormons, les témoins de jéhovah, les musulmans, les juifs, les athées, les agnostiques. On perd notre temps. Mon frère et ma soeur, a des, des dans l'église adontiste, et je suis incapable de voir mes, mes propres défauts. C'est ce que Jésus l'a dit. Et hypocrite, va, on lève la poutre qu'il a ton, dans ton oeil. Et après, tu peux aller de l'autre. Allez, tu peux. Tu peux Commencer à cheminer avec eux. Tu m'as parlé du travail d'aumônerie, mais j'ai juste donné un petit témoignage. Oui, a, bien sûr. On a juste euh, voilà, un petit témoignage, je trouve quand même intéressant. On a une, des enfants d'une personne qui est à l'UMS. Euh, et puis, euh, euh, en fait, ils ont été en conflit vraiment quasiment toute leur vie. Et ils ont dit on s'est réconcilié à l'UMS. Ouais. J'allais voir mon papa, on a eu des rencontres, on a pu échanger. Je me suis réconcilié à l'UMS. Et en fait, la personne est partie il n'y a pas longtemps et elle a dit Je suis en paix parce que j'étais avec, euh, avec lui jusqu'à la fin. Mmh. C'est quand même des expériences très fortes ben et qui ouais, m'amènent ouais. peut-être à un lien important. Je parle de paix, puisque dans toute la lettre aux Éphésiens, mmh. la paix revient souvent. Mmh. Pourquoi est-ce que euh, dans, les, dans la lettre de l'auteur, que je considère toujours, bien sûr, moi très clairement comme l'apôtre Paul, pourquoi est-ce que la paix revient souvent À ton avis, est-ce que oui. Paul, avant Damasque, il était en paix, Je parce que pas. avoir autant d'ennemis pour l'autre, mm -hmm. vouloir les persécuter, Perfect. vouloir mm -hmm. les faire, ça révèle d'un des, 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 propre mal-être. Mm -hmm. Les amis, ça c'est les psychologues aujourd'hui l'explique hein. Tout sentiment que tu n'arrives pas à chérir, il va sortir. Ces émotions-là, ils vont sortir, ils vont aller vers où Ils vont aller vers des champs que bah, des émotions négatives, comme la colère, la, la haine, ouais. et, et il n'était pas en ouais, paix. Quand, quand tu fais que tuer tout le monde, mais bien pas, sûr. tu bien peux pas être en paix. Ça. Alors, regarde regarde comment il va passer à être un pacifiste. Ah, On son, dit pacifiste? Son expérience. Bah, bien sûr, fantastique. Parce même. que Jésus, il a dit Je vous donne la paix, pas comme le monde il vous la donne, mais comme seulement le Père pour, il peut la pour donner. Toi, Loïc, quel est le sentiment profond de la paix alors c'est vrai que c'est bon, en grec, on parle d'Irénée, on, on entend cela, ça vient aussi du, du shalom en hébreu, ouais. donc on parle de, de cette sensation qui euh, génère l'équilibre. Dans la leçon précédente, on avait parlé de ce déséquilibre, ce désordre intérieur qui engendre des fils de la colère. Donc une fois où cette paix m'habite, cette paix que le Christ procure, parce qu'il dit je vous laisse ma paix, je vous donne ouais. ma paix pas comme le pas monde comme donne. le monde le donne. Effectivement, mais... donc il fait une distinction, il y a un contraste entre oui. cette paix à tout prix, donc cette euh, sécurité matérielle, mais toujours dans cette dynamique de destruction. Donc mmh. le Christ il est venu mettre un terme à ce cycle et c'est là où le message devient pertinent parce qu'il faut quand même aussi rééquilibrer les choses. Le message du Christ peut être utilisé pour faire son contraire. Ah bien sûr. Donc ah, oui, l'histoire, oui. il faut quand même en être conscient, c'est-à-dire que sous couvert de l'évangile, on peut commettre les actions du dragon. Donc mmh. détruire, dérober, on parle. Par exemple dans l'Apocalypse, on parle d'annulations de l'eau. Hein. Tout à fait. Donc on sort de, de ce genre de leçon euh, le trimestre précédent. Donc il faut garder euh, euh, en tête cette notion pour être habité par l'esprit qui anime fait. le Christ. Mmh. Et, et, et... Laisse-moi juste euh, par rapport à ces mots là que tu utilisé, « Shalom. Et le jour mercredi, dans, dans, dans cette école de Saba, il dit le concept hébreu de Shalom, cette expérience de plénitude mm -hmm. et bien-être, à la fois dans notre relation avec Dieu oui. qu'avec les autres. Donc, oui. être trompé, ce n'est pas tout simplement l'absence de conflits, c'est une expérience de plénitude et de bien-être. Et, et c'est ça que Christ nous nous amener. Jusqu'au jour qu'il revient, c'est nous amener à cette relation de plénitude et des bien-être ouais. avec les autres et avec lui. Et, et c'est intéressant parce mmh. que mon Paul l'aborde plusieurs fois dans l'épître aux Éphésiens. la paix revient souvent et les évangiles, comme tu l'as dit Loïc tout à l'heure, nous donnent des exemples du Christ comme prédicateur de la paix. Mmh. Jean 14, verset 27, message d'adieu aux disciples. Jean 16, verset 33, Jean 20, verset 19. Alors... Euh, Puisque on est obligé d'aller gentiment à la fin de notre, euh, notre émission, mais on voit que tous ces sujets, le respect de l'autre, détruire les barrières, mm -hmm. la croix, euh, l'acceptation des différences, tout ça, ça fait partie de l'épître aux Éphésiens, tout simplement parce qu'il y avait un brassage de population conséquente. <laughs> et ça doit <laughs> nous donner, peut-être ensuite, donner le focus aussi sur notre expérience dans nos églises, et ne pas être dans la confrontation, mais plutôt dans l'acceptation et l'amour. Alors, euh, Léo, comment apprendre à être des prédicateurs de paix et non des agents de conflit C'est l'humilité ou c'est autre chose mmh, Je pense que l'humilité compte, mais à mon avis, il faut aller relire ce que Paul il a écrit au Galate, au chapitre 5, les fruits de l'esprit. Il commence avec l'amour, la joie, la paix. Donc il y a amour, joie, paix. Ensuite, il vient la passion, la bonté, la bienveillance, la foi, la, la douceur et la maîtrise de soi. Mais si si vraiment je suis scellé par le Saint-Esprit, comme il le dit, hein? et parce qu'on l'a vu au chapitre 1, il dit Et nous avons été scellés par le Saint-Esprit, on va produire des fruits. Donc, pour moi, cher ami, je vois pas un autre moyen de pouvoir être oui. un annonciateur de, de la paix. paix et être un pacifiste ou quelqu'un qui pratique la oui. paix que si ce n'est pas à travers de l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est ça, et on ne peut pas parler de, de, de Christ en tant que prédicateur de la paix sans mentionner, par exemple, ce que Luc nous dit au chapitre 4, au verset 18, le, lorsque le Christ va prendre la parole dans la synagogue, et mmh. il va citer Esaïe, notamment en 61, juste ce passage, où il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance » Et aux aveugles le recouvrement à la vue pour renvoyer libre les opprimés. Mmh. Et il parle aussi de ceux qui ont le cœur brisé. Mmh. Donc vraiment, mmh. c'est une, une dynamique de restauration qui est mise oh en même. relief. Et Paul, ouais. c'est vrai, utilise mmh. aussi la métaphore notamment de l'Église comme mmh. comme temple, comme image de l'inclusion totale, oui. sans restriction des non juifs dans l'Église. Pas seulement aux Éphésiens, mais aux Corinthiens et dans tous les autres épîtres, Paul avait vraiment un cœur de cette unité. Donc, euh, c'est qui les non juifs aujourd'hui dans notre Église? <laughs> Alors, euh, les non-juifs... Ça, c'est une question intéressante. <laughs> oui, oui. Alors, euh, ben moi, je pense que nous, quelquefois, on peut être très, très juif hein, dans notre pensée, dans notre idée. Et, et, et les non-juifs, ben c'est des personnes qui viennent dans nos églises et qui n'ont peut-être pas l'habitude de vivre comme nous, on a vécu pendant des années et de savoir est-ce qu'on est prêt à les accueillir? Est-ce qu'on est prêt peut-être à, à changer de perspective pour pouvoir être plus inclusif? Exact. C'est mon idée, mais... Tout celui qui ne pense pas comme moi aujourd'hui, il peut devenir un non-juif de l'époque. Ah, oui, eh. oui. Non, non, au sein même de l'église adventiste, on peut être juif, non-juif, païen. Mmh. Moi, je m'excuse en disant ça, mais euh, dans, au sein de l'église adventiste, on peut être du monde ou pas du monde, j'en sais rien. Moi, c'est pas quelque chose de très euh, typé. Ça veut dire que c'est une manière d'être qu'on pourrait vivre à l'intérieur ou à l'extérieur. Mmh. C'est ça, puisqu'on voit le Christ aussi dans l'évangile de Marc, où les disciples vont, vont lui soumettre cette réflexion, puisqu'ils sont intrigués. Mmh. Il veut dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui délivre en ton nom, mais il ne nous suit pas. Donc, euh, le... il s'attendait à ce que le Christ puisse euh, le considérer comme étant un athème. Et pourtant, il ne veut pas donner suite à leur euh, requête en disant, mais il n'est pas contre nous. Donc, voilà, il y a cette dimension inclusive qui, euh, qui sonde les mobiles. Parce que c'est là où tu regardes au cœur. Nous, nous voyons simplement, des fois, l'aspect littéral. On condamne, on critique, mais les personnes sont sincères. Et si c'est la sincérité, l'amour qui nous anime, eh bien, nous serons euh, vraiment inclusifs et nous aurons envie d'écouter l'autre, bien sûr. Merci mes amis, on a encore quelques secondes pour terminer notre, notre étude. Mais aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, dans cette étude, c'est qu'on a pu parler de, du respect de l'autre. Mmh. Mais le respect de l'autre implique pas tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Tout le fait. respect de l'autre implique que mmh. nous avons tous des parcours différents mmh. et que nous devons nous respecter, quelle que soit l'orientation, quelle que soit l'identité. L'apôtre Paul l'a bien fait. Hein. Dans l'Épître aux Éphésiens, on voit que Paul avait à cœur vraiment ce, ce côté, comme on l'a dit, inclusif. Mmh. Bon, moi, ce que j'aimerais lancer comme appel à, 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 à tous les membres d'Église, d'où qu'ils viennent, c'est qu'on puisse être aussi inclusif dans nos communautés. Moi, je me rends compte que la croissance aussi, le développement de nos églises se fait aussi dans l'inclusivité et pas dans la fermeture. Alors, peut-être un dernier mot. Qu'est-ce qui, pour toi, Léo, qu'est-ce qui, pour toi, Loïc, vous a le plus touché dans cette étude aujourd'hui C'est le fait que le Christ, il est, il est en train de réconcilier, qu'il est venu pour réconcilier et que c'est ce qu'il espère de nous. Et entre ses collaborateurs, comme Paul il utilise cette expression-là, travailler avec Dieu, c'est avec pour réconcilier. Pour la réconcilier réconciliation, le monde. La oh, réconciliation. Voilà. Tout à fait. Loïc Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses hein, qui ont été exposées dans cette leçon, elle est très ouais. belle. Et dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il parle de construction, d'être rebâti en mm -hmm. tant que temple saint, donc cette référence au sanctuaire, notre corps également, qui doit être purifié de toute pensée, de toute souillure qui nous empêche de percevoir l'autre, comme il se doit. Donc, c'est cette dynamique euh, qui, euh, qui me fait réfléchir et qui montre à quel point ce message est pertinent pour aujourd'hui. Un grand merci de toutes vos interventions, euh, cher Loïc, cher Léo, euh, chers auditeurs d'Espoir Média, 3DS, on aimerait vous donner rendez-vous euh, avec euh, d'autres personnes aussi autour de cette table euh, pour la, la semaine prochaine, la première étude euh, du mois d'août. Et je vous souhaite le meilleur. Bonne continuation. On termine encore par une prière. Merci Seigneur parce que tu nous donnes cette chance de pouvoir aborder ces textes, de pouvoir nous les imprégner, de pouvoir aussi euh, dans nos vies, symboliquement aussi détruire ce mur de voilà qui, notre carcasse euh, personnelle qui pourrait empêcher d'autres personnes à venir à toi. Alors Seigneur, que nous puissions être surtout des agents de réconciliation, comme nous l'avons dit, des agents de paix, et que nous puissions favoriser que chaque individu, chaque personne puisse te rencontrer. Nous ne soyons surtout pas un obstacle à cette rencontre. Seigneur, merci encore de toutes les grâces que tu nous donnes. Merci encore qu'à travers euh, Espoir Média, nous pouvons euh, aussi partager ces moments de réflexion et que cela puisse rester dans nos cœurs jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. A amen. Amen. bientôt, bonne journée à tous. Merci. Merci.